Est-ce qu'on avait fait, on reprend, on va prendre, essayer de prendre mademoiselle en marche. Alors, Madame K, vous venez d'où? C'était l'ami. Vous êtes venu pour la première fois à votre cours aujourd'hui. Alors, donc, nous avions parlé de l'étude du milieu. On a commencé, cela fait presque 15 jours, nous sommes à notre troisième cours. Et dans cette étude du milieu, voilà ce qu'on avait prévu comme. Qu'on a prévu comme sommaire. Nous allons d'abord, chapitre 1, tenter de définir les concepts qui sont liés au milieu. Et pour cela, il nous faut d'abord que vous sachiez que le milieu est une notion très complexe. Qu'entend-on par milieu? Ensuite, quelles sont les notions qu'ils ont assimilées au milieu? Enfin, quelles sont les caractéristiques d'un milieu? Oui, le 4, pardon, l'étude du milieu en question. Alors, chapitre 2, la démarche de l'étude du milieu. Les approches méthodologiques et les différentes étapes de l'étude du milieu. Alors, donc, c'est comme vous êtes malade. Vous allez chez le médecin. Qu'est-ce qu'il va faire, le médecin? Très bien, donc il demande, et qu'est-ce qu'il est en train de vous faire? D'interroger, il y a un mot spécifique pour ça. De diagnostiquer. Diagnostiquer. Après, quand il diagnostique, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire quand il fait diagnostic? Qu'est-ce qu'il va faire? Très bien, les problèmes, très bien. Identifier les problèmes. Trouver une solution, comment il va trouver la solution, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. En très bien, en prescrivant une ordonnance. Mais nous, les Sénégalais, quand on te prescrit une ordonnance, quand tu vas une journée de terrain, pas négatif. Ça ne te fait pas de camaille. Donc, du milieu, donc ça vient de voir quelles sont les contraintes liées au développement d'un territoire. Quelles sont les potentialités du territoire? Quels sont les problèmes? Donc, c'est comme ça dresse une carte d'identité, n'est-ce pas, de 10 milieux. Alors, ce que c'est 10 milieux, il y a plusieurs définitions, concepts. Il y a le milieu humanisé, il y a le milieu naturel, le milieu ordinaire, le milieu, on reprend le milieu. Ok, maintenant je veux, mademoiselle, c'est mademoiselle, hein, ou madame Sow Poulo. Ok, donc madame Sow, qui est venue pour la première fois, je veux que vous lui expliquiez qu'est-ce que est milieu humanisé, milieu naturel, milieu extraordinaire et milieu ordinaire. Maintenant, la balle est dans votre camp pour que madame Sow puisse comprendre
ces différents milieux. Ça, c'est la jeune pièce. Sinon, je lui parle un peu pour qu'elle comprenne, hein, si vous le voulez bien. Hein. Tu parles peu. Ah, c'est bien ça, voilà. Donc, toi, tu as la chance. Voilà, toi, tu as de la chance. Au secours! Sommeil là. Ou bien, on y va, ou bien, what is the matter? Comme les Anglais, vous n'avez pas, vous avez oublié? Humaniser. Ok. Je vais parler de deux milieux d'abord. Madame So. Quand on parle de Tiaon, on pense à quoi? Une ville sainte, d'accord? On pense à quoi? Voilà. Ah, oui, allez-y, on continue. Et quoi encore? Mais principalement, Tiaon, tchak, on pense à qui? Quel marabout? Très bien. On parle tout bas. On pense à quoi? Donc, ces milieux-là, ce sont des milieux façonnés par un individu qui a une histoire. Ça, ce sont des milieux extraordinaires, ordinaires, qui ont une histoire, qui reflètent une histoire. Quand on parle de tout le monde, pense à ces milieux. Donc, ce sont des milieux extraordinaires. Vous habitez où? Quel est votre village? Non, non, naturel, quel est votre village d'origine? Pire. Pire, il y a une histoire plus extraordinaire. Avec qui? Le marabout qui est là-bas. Quand on parle de pire, on parle d'Ahmed Narfal. Pire, c'est mieux extraordinaire. Mais Gandjaï, on ne connaît personne. Voilà, Gandjaï, la belle belle voix, comme pas comme la mienne. Ok, donc le milieu humanisé maintenant. Quand on dit humanisé, on parle de quoi? Humanisé. Qu'est-ce qu'il y a dans humanisé? C'est humanité, c'est l'humanité. Oui, l'humanité. Qu'est-ce qui caractérise l'humanité? C'est qui? L'homme, l'individu qui transforme. Là, on dit c'est humanisé. L'homme a transformé, a créé. Mais maintenant, quand on vient, on trouve tout sur place. Là, on dit c'est milieu naturel. Pas le bon. Ok. Seguiamos. Mais il y a deux notions qui sont liées au milieu. Deux notions, deux. Assimilées au milieu. Qui peut me les rappeler? Deux notions assimilées au milieu. Deux notions. Deux notions. Deux. Nyar. Idi. Ik. Tu. Dos. Deux milieux. Assimilé. Deux notions assimilées au milieu. Commençant par T. Tous les deux commencent par T. Ouais. T.
Terroir et territoire. Terroir, territoire. Ce sont les deux notions qui sont assimilées au milieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un terroir et qu'est-ce qu'un territoire? Terroir, territoire. Quand on parle de territoire, on pense à quelle idée? Territoire. Donc, ça donne quoi? C'est notion de quoi? De limite. Voilà, fille, c'est mon territoire. Limite. Territoire donne la notion de limite. Quand on parle de territoire, on parle unique, on parle de limite de frontière. Territoire sénégalais, pas de frontière. Mais, quand on parle de terroir, on parle d'une région naturelle, n'est-ce pas? Considérée comme homogène à travers les ressources pour les productions et les systèmes socioculturels. Exemple, le terroir Diola, le terroir Séré, le terroir Soninké, le terroir Bassari. Je parle du terroir Séré. C'est large. Ils sont dans la région de Thiès. Ils sont dans la région de Fatick, Kaolack. Donc c'est très large. Mais ils ont les mêmes méthodes. Ils ont les mêmes encore les mêmes systèmes structurels, n'est-ce pas? Ils ont les mêmes comportements, ils ont les mêmes attitudes, n'est-ce pas? Le serrer ne peut pas dire un, ils disent on. Le peut pas dire que, il dit que. Quand tout ça, mon Le Wolof ne peut pas dire gle, il dit gal, angal. Pas dire four, il dit pour. Voilà, amul, Wolof, pour ba. Amul, feu, amul le son feu. Serre, je ne pas me serrer. Parce qu'il y a un ton, c'est. Serré. Pour le soir, il commence, pour le dire. Hein? Tout le Bol-bol. Est-ce que vous suivez le film Famille Sénégalaise là? Famille Sénégalaise, vous le suivez? Venez bol-bol. Et quand on dit, par exemple, Sénégal, du blanc, ou truand. On était truand, Sénégalais, du blanc. Automatiquement, on dit qu'il est Sénégalais là. Sénégalais, on connaît parce qu'il parle bien, il manipule bien, sur le toit, il n'y a pas de problème. C'est comme quand tout le monde mourra, Inch'Allah, devant Dieu. On parle trop, on explique trop. Non, c'est que nous devons. On avait amené au Sénégal une machine qui voit les voleurs, capte les voleurs. Mais là, on l'a volé, la machine là.
Non, si on l'a volé. Non, c'est légal, les Iba. Non, tu comprends. Ok, donc ce sont d'habitude Teranga. Hein? Quand tu vas chez les Peuls, c'est le thé, n'est-ce pas? C'est le kosam. On vous donne du nyar. Hein? Quand tu vas chez le Wolof, non, mon intérêt. Ah, la mon du def, ça tout le monde. Wolof, intérêt, qu'est-ce que c'est là? Peul! Dañ wax ci peul dañuy né day jam day ki day wor hein donc son les habitudes n'est-ce pas et qui marque un terroir alors et pourquoi il y a des terroirs qui ont des principes que certains ne comprennent pas que n'acceptent pas donc chacun doit accepter ses principes quand je dis par exemple je l'ai dit l'autre jour dans le milieu Bassari le Bassari. Quand vous êtes tous en âge de puberté, on vous met dans une maison. Fille comme garçon, nip. La bonne fille, la meilleure fille la plus aimée, la fille qu'on aimera le plus, c'est celle qui viendra avec un. C'est vrai. Si vous ne venez avec votre un, qui est marginalisé parce que tu n'es pas fertile. Vous savez, dans le Bassari, il y a le père, l'enfant porte le nom de la mère. Donc, ça sont des contextes, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le terroir en tant que objet d'étude, c'est-à-dire que il faut quand vous voyez dans un milieu. Il faut que vous compreniez les relations entre les groupes. Exemple, quand vous êtes peul, il y a des mots que vous prononcez. Quand vous êtes deux peuls, pas les peuls. Mais un mot peut signifier une insulte. Chez l'autre peuple. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Vous parlez un mot, mais ce mot-là, ça signifie ailleurs insulte. Par exemple, au Gabon, il y avait un ministre qu'on appelait. Je pense qu'il y a un nom. Son nom, je pense, Koutoundé. Voilà, Koutoundé. Mais Koutoundé, chez en Centrafrique, Moïta, Monsieur Koutoundé est venu, Monsieur Koutoundé. Donc là, qu'est-ce qui a failli? C'est ils n'ont pas étudié le milieu. Il fallait voir. Qu'est-ce que cela signifie. Dans ce cas, il ne serait pas voulu. Tout le monde riait, tout le monde riait, dans leur langue. Vous avez vu. Donc, le milieu, c'est un peu différent. Parce que, par exemple, quand on prend encore en matière de culture, le paysan sénégalais, et les paysans français sont différents. Quelle est la différence? Paysans français, paysans français, sénégalais. Quelle est la différence? Le paysan français cultive pour vendre.
Mais nous, qu'est-ce qu'on fait au Kri Four? Pour manger. Bay ñebbe, bay dugub, bay gerte, bay gerte, bay mboq, bay mboq, bay, hein? Yep. On prend la majorité lait pour ci biir bi. C'est pour cela qu'on ne se développe pas. Lépp lekk la. Lépp. Sénégalais, ça me xaalis, yàpp lay jënd. Dañ ci dem. Góor, ça me xaalis, takk jabar, ñaar, ñett, ba ñeent. Xam nga la koy doyee, yàq rek. Man de man moom, ku ñaan man benn la am. Ak million yu am yëpp, c' est même, c' est bon, am 50 millions yëpp benn rek. Et comme jox ku ma jox xaalis ku ma jox ku ma ñaanal moom benn jabar yàlla boo ko fekkee billahi jaa j'ai pris 50 000 j'ai def ça à ma femme mu liggéey ma mbajam ñaare du caaxaan mana soo du caaxaan moom rek benn rek moom rek mais gis sénégalais bu am xaalis bu dul barke première chose jabar pense pas demain pense pas à ses enfants lekk yàpp farine tàgg la gars yi waaja te ñu xer joxe ay bu jeexee di defoo dara gars yi sant la fële moo doon du def ñombu da doon ñombu jëmm ñaaw rek daal am nga ni donc maintenant, autre terroir en tant que projet d'une communauté. Là, on avait dit en tant qu'homme. Là, on parle de projet d'une communauté. Alors, je l'avais dit la semaine passée, il y a certaines valeurs qu'on doit garder pour nous. C'est notre patrimoine culturel. Par le perte. Donc, il y a la communauté qui essaie de garder. Mais actuellement, dommage, il n'y a pas de job, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de foule, il n'y a rien, rien. Sagar fami xaliss ñetti lay ko le mo ki xamoo ki ko digel la xamoo mo ki di jay drogue mo ki minimis te minimis quoi on travaille pas on travaille pas qu'est-ce qu'on fait je vous dis on travaille on se réveille 6 heures ñu ndéki ñu téléphone digi téléphone di wax ba ci xol sec dem marché ñëwaat ñu añ suñu añee ataaya xañ lay pare 5 heures xale bi dem entraînement ñu togg reer ñëwal 8 heures bon reer te bi nelaw c' est dommage sénégalais xam nga ko añ lekk moo ko tardel xaaral ma ñu pare kay añ ataaya matin midi soir mon tardé. Donc, je disais tantôt que, en tant que projet d'une communauté, ce sont nos valeurs qu'on veut garder. Actuellement, il y a plus de soutour à chacun est prêt à faire ça. Vidéo, tac, à partager. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que l'on dit? Là. C'est un nit qui, il y a fait ce que du directif. Ça, c'est la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Une là. Il y a des gens qui ont
500 000, 1 million, 2 millions. Malindele, ça c'est la pauvreté. C'est quoi la pauvreté encore? N'y la base, pas n'y l'art de guerre, il faut frapper, à l'unir. Donc, il y a des ça c'est la pauvreté. Parce que ce n'est pas question de. Combien de personnes sont là? Ce sont ces valeurs-là, des sangs, valeurs de personnes, de job. Vous n'êtes que bon des sangs, ce qui est tout ce. Lequel? Mourir de masse, de mousse, de soutenir. N'est-ce pas? C'est soutenir. Ma ñew sa kër madame ka ñew am so pardon ñew sa notaire sa jalla de man day tay dama bëggoon nga jox ma abal no 10 000 ma jox la nga gëna ma gis ko diw mo ma ko yor dem ma ñu gis ko al ñu dem ko yor dem saw ñu dem ko abal da fay abal xaalif dem ko abal xaalif ma jox ko lu gisé di ap teur amul gat na yeex xay suturu jambo nit su lebelé bor ni so xale balé soko séré né ñadal bañ la seen parce que defat lu borom bor rek dewetul borom sa sabtuma so gisé borom mais légui sénégalais fait diw de lebal nako 50 fayuma diw de ndax nako 10 000 mu deloma 5 000 bu ndëkk ba da nga don tok sos da nga tok diwlin bu sas nga wacce ni souf bañ ko xéñ bañ ko sa dekk ndu xéñ ko parce que su xéñ da nga ko jora may ni ne de ciass xéñ ya ha diwlum dok ne sa ya nga sa bop wala ne nek père de famille gën dem lek lek yu neex nga bay sa keur fay jox len 500 togg mbaxal yo nga dem ci bit dim teureub andak sa cioro ah dem jënd terre bu neex aql et les enfants qu'est-ce qu'ils vont manger le mbaxal le sombi pratiquement de la diante sa xel es xel moy na lako c'est le mot du cœur au Sénégal mais amulom dëkk ba bu ëgg bu les parents même mbaxal tout le monde manger ensemble. Autre chose plus grave, c'est les hommes. Après, on continue. Pour la polygamie, il y a 4 femmes, il y a 3 femmes. Chaque femme dans sa maison. Madame Aïe, Aïe, Defale, Guinard. Vous le direz, qu'est-ce que c'est? Berlin, Berlin. Je dois me soumettre, fonder. Donc, Berlin Bayi Denar. Referna. Fait en même temps, Nyaran lui aussi, de côté, pour ce qui est encore. Il y a un homme fondé. Il y a un homme fondé, il y a un homme. Même sur le troisième, sur le quatrième. Qui bénéficie de la polygamie? Dans ce cas-là. C'est l'homme, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le mariage doit être bénéfique pour tout le monde, pour l'homme, pour la femme, pour les enfants. Est-ce que nous sommes tous les deux? Avec nous, nous sommes tous les deux. Ça doit être les deux qui sont les deux. Ou les deux fondés. Est-ce que tu imagines ça? Est-ce que tu n'as mon cher collègue Sénégal, voilà, cher. Mon cher. C'est dommage.
ñu ber 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 la fee teg fee waaw ñu ñal la nag ginnaar ñu gën a duuf ñu ne borom kër gi et après nag borom kër nag sa njaboot yi nag di koy ñoo yàqu mais àdduna changé wul. Ji ko nu mu yàqoo da ngay nga ne Fatima indil sa papa ndox Fatima ne yaa koy sëy bi de loolu du reewande wala nga saaga sa kanamu doom tey rek mu ñëpp sa nday sa kanamu doom moo tax xale yi léegi la gis saaga na lay rek ak nday ñëpp nday cop 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 da ngay dëgg ci mbedd mi xale yi. Parce qu'il l'entend chez eux. Saga. C'est comme on perd nos valeurs. C'est ça. Eh wonel ba mir day sa gis do wona ko de do neena wondel wod fet wona say cieur lol baxul mais le sa sa yo gis legui tak bi bi fi gis sis nak di wang wang melni wu di won tat tat touri xale gis ko nak yak yak ko lu legui ba ou bien même vous suivez une télévision tout le monde une scène obscène game. Les enfants, tout souif, excusez-moi, cette télévision, c'est elle qui est en train de pervertir nos enfants. Non, l'enfant qui réplique sa mère, qui réplique son père, les enfants le voient à la télévision. Qui vont avec moi maillot de bain. Moi, je dis que les deux yards, on perd nos valeurs. On perd nos valeurs. Tu as le bureau de la salle, mais dans le cas de la salle, tu as 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 le cas de la da nga ko de yow taay mom ma sha Allah way bo taay na nga jeex men may rega ko wala sa taat taat comme plate da nga senegalese nga lolu bañ sa di ko plate la ilaha illallah ndal taat reuy di dem di lambar lambar di tabal lu moko neex na ñu ne sa sey neex na donc c'est nos valeurs c'était quoi c'était le sutura. C'était quoi le job? Le job, tu me le sais pas, tu me sais pas, mais c'est le contraire. Il y a un élève 11h, il y a un ma père, mère, on a un père qui a un bébé. Père, il y a un bébé, un père, il y a un sens, il y a un bébé, il y a un bébé, il y a un bébé. Un bébé, il y a un bébé. Nak dom 5 heures ay entraînement quoi bol dox bi dam fa xaar bol dox bi defo gat tous nga bëgg tek mais dem day dox dama leen lu amo sing am dara di am duñu man pa bi amna quoi pa bi amna quoi pa bi pa bi tudé lo leg lay def leen lu gëna bon sutura ben exemple kess madame, tu as un enfant? Ok. Ce que vous faites là, exemple. Khaled est saoulé. Khaled est saoulé. Khaled est saoulé. Il est saoulé. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez aussi tout le monde. Vous avez un peu de temps. 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 Qu'est-ce qu'on fait? On a couché. Vous avez un peu de temps. C'est pas bon. Xalé ni sutural
nous mon nek daw soutaral ko jël ko douche ba sangu ko parce que soxare gatti be rek day dañ gatti fay dañé même ndox yow mo wiss ko même ndox yépp da nga xayal jël couche bi def ko sa bi fay nak ñepp di gis indi ndox te xalé bi ni ben loxo ñu lay ki nga xal sutural su magge di magge lol nak day lol ma kër do kër sax lol mag bax mag mu ko wax mag sen mag mu ko wax nena kër say xalé dañu nena xalé su bi mu ndaw ndaw da nga sutural te le faisait ba bébé sutural ko su bëgg bu yobbu ci biir sutural ko bu kenn bëgg bu sutural ko donc ce preuve d'une communauté là que l'on veut garder malheureusement ça commence à dépérir et principalement nos langues nationales quand je prends mes parents serrés vous prenez un parent serré vous l'amenez à Dakar dans 2 ans il ne parle plus serré là. Il va parler Wolof. Je viens un peu à Dakar, il fait 5 ans, 10 ans, il parle un peu. Alors donc, maintenant, on va passer les caractéristiques de milieu. Il y a le milieu physique. Quand on est milieu physique, c'est les différentes sphères, lithosphère, qui est la partie solide, qui est constituée de couches solides. Il y a liquide, hydrosphère, l'eau, et l'ensemble des eaux, parce que la Terre regroupe 70%. La Terre est constituée de 70% d'eau. D'eau. Ensuite, parce que quand vous allez dans un milieu, en quête, il faut que vous sachiez de quoi est constitué le sol. De quoi est constitué l'hydrographie. De quoi est constitué le milieu, l'atmosphère. Quand vous faites une enquête dans un milieu, il y a des types de néhol. Souf-ci, ndormi, djaoudi. Souf-ci, ndormi, djaoudi. Nommel. Est-ce que le sol, c'est caillouteux? Ça parle de la géographie physique. Ensuite, il y a les caractéristiques socio-culturelles. Les caractéristiques socio-culturelles. Là, il faut connaître. Parce que quand je dis ce drôle, il faut connaître, n'est-ce pas, la culture du milieu. Quand vous allez, par exemple, au Magal, au Gam, qu'est-ce que vous portez? Sabine? Parce que ça, c'est le milieu qui le demande. C'est un bal, non? Allez, demain, il y a une balle. Chaque milieu a
de quoi à comment je peux l'appeler ainsi, chaque milieu, chaque chose a son temps, chaque chose a sa place. Vous n'avez voilà. Même si vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. 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 Souvent, quand vous allez au milieu, dans un milieu, on vous dit, quand vous rencontrez un vieux, il faut saluer à jour. Sur le milieu-là. Dans ce milieu-là, on ne porte pas de pantalon. C'est une sorte d'enseignant. Dans ce milieu-là, on ne mange pas d'œufs. Mais fait qu'il y a une même bonne grille. Quelle est la dernière fois? Exemple, ce sont des exemples. Dans ce milieu, tout le monde peut t'appeler, mais tout le monde peut t'appeler en. C'est le milieu qui demande. Nous sommes. Yo tam nga ci bu jëng bu ne nga tam ñu togg ci bo xamantene vraiment bu bis ci kaw seulement am kani le am jaxatu ak ki kani jaxatu ak batay ci ay rek ado lek lekal bi rek du reye parce que reye ben bi ak mais non man duma lek li quoi lepp lo bëgg do ko am fa ñu ki da dafa ci kaw dox gi non nga ne amna sam kiren amna sam kiren quoi amna sam kiren un agent de développement local ne doit pas le faire mange avec la population boit avec la population dort avec la population xam na mbaxal salu dama demone dans le salon là. Mbaxal bi ceeb la mais da wex tal di def ab ceppet kaani teumul fa kaan ak ci kaw def batay ci Jula ko bijou dama lek bi laaj bu ab desna ni hi desna ni ada ko day lek li ma do may lek lu raw li et comme ça voilà comment c'est intégré dans la famille comme ay mboum cere amna cere bu sew day lek obligé parce que ça so ñewé pour décrypter mo su ñëkë ñëw sa gër pour ma enlever j'enlève tout ñu xamné ki du rus eh am sa dal fofu ma dem ci ru ñu ñëwaat déjà tu décrypte ah né ki mom ki ne souffre bu xam di donc c'est faut connaître le milieu il y a des milieux mag ñëw nga mu ñëw ken tok ci kaw la lu mag souvent quand vous êtes des enquêtes mak wala ci neegam pour enquête dougulen bismillah toglen non mak lolou mak dafa tok en bañ ñene man sama yar may ma lolou ma taw ci lolou mak baxul souvent dañ leen di tester mais est yarou ngeen wala muy indi chaise muy indi basan yow ti l'enquêteur man noy def won ko non man won ko poko chaise bi wala fi souf so def chaise de même yow ya ci kaum quoi
Tu vois ça pour nos étudiants quand ils vont en enquête. Non, c'est que population de l'Union. L'ONU l'est. L'ONU n'a pas mal. L'ONU. Même si c'est beaucoup ça. Goudi ça, goudi, qui est. Faut bien manger. Et oui, là je parle des femmes. Ce ne et des hommes. Nous sommes mesdames. Bonjour. Gam, soit comme ce que me l'est, bonjour. Même fait que sourd, forcément. Andat le mot, andat le mot, règle de. Parce que ce que des Russes. Là, mon délèque, bon sou, vous dites que c'est pas joli. Ok, donc. Ce sont là les valeurs socioculturelles qu'il faut connaître avant de faire, avant d'aller, n'est-ce pas, dans le terrain. L'autre, c'est la démographie. Il faut que vous sachiez aussi les mouvements. Mouvement de la démographie. Démographie, c'est la variation de la population, les mouvements de la population. La natalité. Mortalité, migration. Souvent, vous voyez ce milieu-là, comment se porte la natalité? Mais je vois comment se porte, et là, il faut aller à l'hôpital pour savoir. À la mairie, malheureusement, nos parents ne déclarent pas leurs enfants à la naissance. Ceux qui déclarent leurs enfants, ce sont les fonctionnaires, parce que dañuy fay xalé. Mais beaucoup sont nés sans extrait. Et ce mouvement de la population-là nous permet de voir demain comment ce village-là. Parce que dans les villages, tout le monde peut dire. Qu'est-ce qui n'a pas? Qui n'a pas, qui est donc qui aime. Dans le milieu peu, par exemple. Le milieu peu, c'est là que le milieu peu, qui n'a pas. Connaître le milieu bon. Ça, nous l'avons montré. On a carrément l'avons montré. Nous, nous, mais c'est pas grave. Il y a toujours 5, 6 d'hommes, 8 d'hommes. Il n'y a qu'un qui. Je n'ai que fait ben pas am quatre femmes chaque de sang gendé mais bala 8 ans am deux de depuis à remplacer chez mes parents par exemple hein 11 ans 11 ans mal de dire 12 ans mal de dire 13 ans am dom 13 ans au dom 15 ans 17 ans 19 ans 21 ans 23 ans 25 ans 27 ans avant 30 avec am bis dom de fouté nak yak yak c'est un peu plus de la tête. Parce que c'est une maquette de quoi. Il y a des déformes. Il y a des déformes. C'est bon, il y a des fait taxe ce business, ce business, taxe. Parce que il y a des déformes, il y a des déformes, il y a des Je ne sais pas si tu es un peu plus de
dem rek tegal ndono mi ngay xalaat. Jural bi dégg bi fees, jural bi kër gi fees, rek ngay xalaat. Donc cette tarde, la natalité, on a très regardé au Sénégal, le taux d'accroissement est de 2,9%. Parce que toi, quoi? C'est trop. Actuellement, on est 18 millions, 180 000 carrés. 18 millions. C'est trop. L'État a beau faire, a beau faire. On ne va jamais, parce que la jeunesse là, elle est nombreuse. Si on a 60% de jeunes qui ne travaillent pas, 30% de luxe qui travaillent, 10% de vie qui ne travaillent pas, ce pays-là ne va jamais se développer quand même. L'État vide n'a pas fait, mais c'est nous. Mais quand tu as 2 enfants, 3 enfants, tu peux les gérer. Mais comment tu vas avoir 5 enfants, 10, chaque femme, 4 femmes, chaque femme a 7 enfants. 7 fois 5, 7, 7 fois 4, 28. Mais comment tu peux gérer ces enfants-là? Manger, dormir, comment tu peux les gérer? Escolariser, hein? Maladie, fièvre, dépenses par jour. Fou des fois, c'est nous qui causons notre problème. Nous faire gagner des temps, d'aller faire courir, de les rayer. Je ne dis pas qu'il faut pas, mais il faut espacer, limiter. Mais tant d'hommes, ben, 5 barres. Mais il y a des belles élastiques, femmes élastiques. Un beau chambou. Des belles retraités, âmes d'hommes. Mais tu te sacrifies. Oui, c'est terrible ton enfant. Parce que le belle, c'est beau. Tu casses la pipe. Et lui, il a 10 ans. Qui va s'occuper de lui? Mais c'est un homme de Morbès. Sacrifie la vie. Alors, il faut, quand vous êtes dans un milieu, il faut demander pourquoi les naissances là? Qu'est-ce que les naissances? Ils vont vous donner les réponses. Pourquoi les migrations? Ils vont vous donner les réponses. Pourquoi taux de mortalité wagné, ils vont donner des réponses. Donc, aussi, j'ai oublié, il faut aussi demander les cartes économiques. Dans économique, c'est quoi? C'est les secteurs. Quels sont les secteurs qui sont les plus actifs? On a comme secteur, 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 secteur. Il faut demander ça. Et dans les villages, la plupart, c'est le secteur primaire qui prévaut. Donc voilà, en résumé, n'est-ce pas? L'essentiel qu'on avait fait, n'est-ce pas, Madame Sow, en résumé, ce qu'on a fait. Alors, il nous reste 8 slides. D'abord, la démarche du milieu. Alors, donc, c'est-à-dire, quand on dit démarche du milieu, c'est comment faire pour recueillir les informations. Comment faire pour recueillir les informations. Il y a les approches participatives, il y a les approches conventionnelles. Et là, c'est on demande à la population de nous fournir des informations, de donner des informations.
mais aussi la personne enquêtrice a une manière de recueillir les infos, de poser des questions, de recueillir des informations. Alors, les approches participatives, il y a des méthodes. MARP, vous le verrez, LIP, c'est en anglais. La MARP, c'est la méthode active de recherche participative. Donc, vous avez comment ça, la MARP. Donc, vous allez le faire. Comment? Méthode active de recherche participative. Et là, c'est la population qu'on tend la perche, qui donne l'information. Donc, là, il faut être intelligent. Est-ce que quand je viens, moi, je n'en ai pas. Est-ce que le public qui me donne l'information? Non, il faut sourire souvent. Le sourire là, c'est bon. L'autre, tout dit. Ça, ce sont des expressions, n'est-ce pas? Que le Sénégalais veut. Et là, vous avez des efforts, vous avez des informations. Le bug de mon information. Le bug. J'étais une fois allé à le Kungl. Donc, c'est pour avoir des informations. Moi, je suis Marseille. Faut lire. Faut lire la famille. Est-ce que c'est gay? C'est triste. Faut se lire. Quand vous venez, vous avez une famille, vous voyez, c'est gay, c'est triste. Alors, il y a aussi les approches, je dis bien les approches conventionnelles. Là, par exemple, quand vous êtes au terrain, on propose des questionnaires. On vous apprend, voilà, comment il faut poser des questions. On vous donne un questionnaire. Ensuite, il y a un logiciel qui traite les informations. Souvent, c'est le logiciel les informations. Vous entrez, vous faites les informations. Donc, ça, ce sont des outils que tous les acteurs peuvent utiliser. Regardez, par exemple, quand il y a recensement, ce que les centres avaient en leur main, les machines-là, hein, c'est que ça, c'est conventionnel. Ça, on pose une question automatiquement, ça sort, vous répondez automatiquement, ça part. Alors, il y a les méthodes participatives, pardon, les approches participatives, conventionnelles, mais aussi il y a les approches qualitatives. Donc, je reprends. Les approches participatives, les approches conventionnelles et les approches qualitatives et les approches quantitatives. Je reprends. Les approches participatives, n'est-ce pas, Ben? Les approches conventionnel, Niar. Les approches
qualitative, la qualité qualitative. Souvent, on le fait. La qualité, c'est quoi? C'est mesurer, n'est-ce pas? Par exemple, nous avons ça matière bien, ça matière bien. Pas qu'il apprécie la qualité. Ah, ce qui est bien, c'est la forme. Dans l'évêque, Alors, donc il y a aussi les approches quantitatives. On a combien d'approches? Quatre. OK. Les approches participatives, conventionnelles, hein, et OK, on fait la pause, on revient, il est 40, on revient à 11 h. On va prendre un peu de chocolat là. Ah,
Non, c'est bon. OK. Donc, on continue. Donc, la qualité. Dans un village, on peut amener des structures de l'État, la santé, l'éducation, par exemple, l'hydraulique. On vous donne votre eau, on vous soigne, on vous enseigne. Maintenant, c'est à vous d'apprécier la qualité de l'enseignement, la qualité des soins de santé, la qualité, n'est-ce pas, de l'approvisionnement en eau, la qualité de l'approvisionnement en électricité. Madame, courant, vous n'êtes kamat, 2 minutes. Il n'y a pas de la qualité. Pas de la qualité. L'approche qualitative. Alors, ensuite, et après, enfin, il y a l'approche quantitative. Ici, on parle de quoi? Quantitative. C'est la quantité, le nombre. Le nombre. Les chiffres. Combien de kilos préparez-vous pour votre déjeuner? Et là, on ne connaît pas de kilos. Parce qu'on connaît un pot. Pour lui, pot. Combien de pain achetez-vous pour déjeuner? Pas comme chez nous. Ce Et là, souvent, ce sont des questionnaires qui vous sont remis, n'est-ce pas, pour essayer de le poser à la population. Parce qu'il y a une manière de poser la population sans la vexer. Souvent, les gens vexent la personne, n'est-ce pas, et cette personne-là a un problème pour répondre. Surtout la quantité. Nous n'y aurions rien de moins. Souvent, ça gêne chez nous, les Sénégalais. Nous avons rien que l'on sourire. Ça gêne. Donc, souvent, n'est-ce pas, je vous rappelle, il y a les Ivoiriens là. Non, les Burkinabés là. Quelqu'un est venu. Il a fait un questionnaire, il est venu, il a dit, il voulait savoir, il a vu l'homme, mais il voulait poser la question, est-ce que c'est le sexe, c'est masculin ou féminin? Excusez-moi, on n'est que sexe, il a regardé. Gros. Donc, lui, il a mal posé la question. Tu l'as vu. Le poser la question. C'est pas la fois de poser la question. Tu mises sexe masculin, tu t'en vas. Donc voilà les quatre approches de l'étude du milieu. L'approche participative avec des méthodes comme MARPLIB, méthode conventionnelle avec le logiciel, les questionnaires, méthode qualitative et méthode quantitative. Donc voilà les quatre méthodes qu'on utilise pour Et là, on termine par ce qu'on appelle les étapes pour faire un diagnostic. Voilà là où il faut passer. Et il ne faut pas brûler les étapes. On ne peut pas.
vouloir une chose et ne pas passer par la bonne route. Alors, y a d'abord ce qu'on appelle la démarche. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut? Première chose pour une démarche de l'étape d'irrégulier, là, c'est quoi? Première chose. Qu'est-ce qu'on doit produire? Très bien. On doit produire des termes de référence. Sur quoi se réfère-t-on? Alors, mais là, il y a deux choses. Il y a le général et le particulier. Le général, c'est tout. On intègre tout. Tous les secteurs. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les recherches thématiques. On ne s'intéresse qu'à l'agriculture. Un point. On ne s'intéresse qu'à la santé. Point barre. On ne s'intéresse qu'à l'éducation. Point barre. Là, c'est la recherche thématique. Et là, il faut d'abord le dire dans des termes de référence. Quelle recherche vais-je faire? Est-ce une exploration ou est-ce une recherche thématique? Muller. Ensuite, où le cadre, Falla. Ou le lien. Ça l'a fait. Enfin. Ensuite, les objectifs. À la fin de l'étude, qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Mais aussi le temps. En combien de temps? En 10 jours? En un mois? En 5 jours? En temps. Il faut définir le temps. Les moyens. Nécessaire. Qu'est-ce qu'il me faut? La logistique, par exemple. Les finances, par exemple. Quelle équipe? Qui doit m'accompagner? Et quelles sont les stratégies à développer? Donc voilà. Ce que contient généralement les termes de référence. À chaque fois, il faut faire de très bons termes de référence pour étudier un milieu. C'est votre fil d'Ariane, c'est là où vous vous basez pour faire votre étude. On ne peut pas faire une étude sans terme de référence. Il y a le mot référence. On se réfère à. On se réfère à ces termes-là. Voilà sur quoi on doit se baser pour faire notre recherche. Dès l'air. Les termes de référence, c'est comme un règlement intérieur. Voilà.
d'abord déterminer ce qu'on veut étudier. Soit c'est le milieu intégral ou un secteur du milieu. Soit général ou c'est particulier. Si c'est particulier, c'est thématique. Et maintenant, il faut, dans ces termes, n'est-ce pas, clarifier les objectifs. Il y a l'objectif général. En général, après l'étude, qu'est-ce que tu fais? Mais aussi, il y a les objectifs spécifiques. Sur quoi je vais me baser pour atteindre l'objectif général que je me suis fixé? OGOS. Qu'est-ce qu'il me faut comme moyen? Combien de temps vais-je faire? Quelle équipe vais-je mobiliser? Quelles sont les stratégies que je vais développer pour réussir ma mission? On le fait sur une page et demie, deux pages maximum, tout dire. Alors, deuxième étape, c'est l'étape préparatoire. On a fait nos thèmes de référence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire notre phase préparatoire. Alors, il y a plusieurs éléments sur la phase préparatoire. D'abord, on vous dit que vous allez, par exemple, à Niaganiao. La première chose, c'est quoi? C'est de savoir Niaganiao. Faites des recherches sur Niaganiao. Ou bien vous allez voir quelles sont les études faites sur Niaganiao. Là, c'est la recherche documentaire. Vous vous documentez pour connaître le milieu que vous allez visiter. Vous vous documentez. Il y a la documentation, il y en a les livres, il y en a le net, il y en a Google, etc. Vous documentez. Il faut d'abord connaître en avance ce milieu où vous allez. Ensuite, l'équipe, c'est très important. L'équipe à constituer. On dit que l'équipe doit être quoi? Doit être pluridisciplinaire, composée d'hommes et de femmes, et une formation et une. Voilà. C'est là où il y a la formation importante. Quand vous envoyez quelqu'un, il faut qu'il soit armé. Il faut que vous l'armiez. Il faut d'abord que vous ayez une équipe pluridisciplinaire. Quand on dit plus disciplinaire,
plusieurs disciplines, plusieurs connaissances. Les connaissances doivent s'opposer. Qui composé d'hommes et de femmes. Exemple, quand vous un groupe seulement composé d'hommes, vous êtes dans un milieu où vous n'avez que des femmes. Il y a des questions vous ne pouvez pas poser à ces femmes-là. Donc, faire une première connaissance du milieu, constituer l'équipe, et l'équipe, une équipe de mission doit être pluridisciplinaire et genre, homme, femme. Mais aussi, il faut qu'ils connaissent. On ne peut pas, dans un milieu d'élevage, envoyer quelqu'un qui, au moins, n'a pas étudié l'élevage, ou bien on l'a pas enseigné l'élevage pour qu'il puisse passer, pour qu'il puisse poser des questions sur l'élevage. On n'ose pas venir ici à l'ADL, on vous dit d'aller sur le terrain, allez, faites des enquêtes, sans qu'on vous enseigne l'étude du milieu. C'est impossible. L'objectif de ce cours-là, c'est vous préparer à aller sur le terrain. Préparer à aller sur le terrain. Alors, autre phase préparatoire, donc on avait dit faire une première connaissance sur le milieu, constituer une équipe, excusez-moi, ensuite choisir et élaborer des outils de collecte. Alors, là, choisir, élaborer les outils de collecte. Alors, ici, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit, quels sont les le processus pour que les informations? Est-ce que c'est questionnaire? Est-ce que c'est le brainstorming? Est-ce que c'est l'interview? Là, on détermine. Brainstorming. Questionnaire, interview, n'est-ce pas? On détermine qu'est-ce qu'on. J'ai oublié une note, c'est pas grave. OK. Et quelles sont aussi les personnes à enquêter? Qui sont ces personnes-là? Et en combien de temps? En fonction du type de recherche. Alors, les outils.
Enfin, on dit qu'on va faire des interviews. Et là, parallèlement, la logistique, qu'est-ce qu'il faut amener? Microphone, par exemple. Magnétophone pour enregistrer. Je relis en même temps la logistique, parce qu'elle est très importante. Les questionnaires, je photocopie, je multiplie les questionnaires. Alors, ensuite, il y a la validation et le partage des outils. Collecter avec l'équipe, toute l'équipe, n'est-ce pas? On valide, voilà ce qu'on doit faire, c'est valider et on se partage les outils. Ensuite, maintenant, il faut planifier. On a 10 jours. Premier jour, qu'est-ce qu'on va faire? Matin, soir. Deuxième jour, qu'est-ce qu'on va faire? Matin, soir. Jusqu'à ce que les 2 heures soient clôturées. Le premier jour, l'équipe A, qu'est-ce qu'elle va faire? L'équipe B, qu'est-ce qu'elle va faire? L'équipe C, qu'est-ce qu'elle va faire? Que chacun sache ce qu'il va faire. Que chacun sache de quoi il est responsable. Il faut donc se partager les tâches. Mais quand quelqu'un veut tout s'accaparer, ça devient lourd. Et quand quelqu'un veut tout s'accaparer, quelle est la conséquence? C'est que on vous laisse tout avec. On vous laisse tout. Et il y a aussi la préparation de la logistique. Alors là, c'est très important. Vous allez sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut amener comme matériel? Là où je vais, quel habit doit-on porter? Comment est le climat? Est-ce que je dois amener moustiquaire ou pas moustiquaire? Je dois amener mes médicaments. Je dois amener mes gaz. Qu'est-ce qu'il me faut pour accéder à ce site-là? Est-ce qu'il me faut des charrettes? Il faut des motos, il faut une voiture. C'est très important. Et enfin, il y a la préparation psychologique. Là, c'est maintenant, on vous conseille, on vous conscientise. Prépare. Imaginez quelqu'un qui et à Dakar, qui est né là-bas, grandi là-bas, il n'a qu'à démission, Kédou. Quelqu'un qui est né à Thiès, grandi à Thiès, il n'a qu'à démission, Matam. Monsieur le Guin. Ah. Il faut l'aider. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle, on a tout. Maintenant, vous êtes
sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer les données. Avec ce qu'on a conçu dans la phase préparatoire, tout en ayant une idée sur les thèmes de référence. Le temps imparti à la collecte des données et le schéma de conception. Et enfin, on a recueilli les informations, on a toutes les informations devant nous, mais il faut les traiter et les analyser. Traiter, analyser. Voilà les informations qu'on a reçues. Les traiter, les analyser pour faire un rapport normalement qu'on doit aller rendre à la population. Voilà ce que vous nous avez donné comme information, voilà ce qu'on a bien produit. Et avec ces informations-là, maintenant, le développeur local peut faire son projet de développeur de développement. Donc, voilà. En résumé, donc, voilà, on fait terminer ce module. Ça en reste seulement les TD. La réussite, n'est-ce pas, d'une action de développement est conditionnée par quoi? Est conditionnée par la connaissance du milieu où elle doit être exécutée. On ne peut pas faire un projet de développement sans étudier le milieu. On ne peut pas soigner un malade sans savoir sa maladie. Il faut impliquer tous les acteurs. Je pense que vous allez voir les acteurs du développement local. Tous les acteurs. Et je pense que la méthode participative est indiquée, n'est-ce pas? Dans une étude du milieu, si les informations sont destinées à l'élaboration d'un projet de développement local ou communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter ce qu'on appelle le copier-coller. Copier-coller. Tu vas dans un milieu, tu vois qu'ils ont fait un projet, ça a réussi. De Bouga et du Sénégal. Parce que là-bas, ça a réussi. Et ici, est-ce que ça va réussir? Parce que tous nos projets de développement échouent parce que on n'a pas étudié le milieu. Parce que
on n'a pas recueilli les informations du milieu. On est dans son bureau et on se met à la place de la population. Non. Il faut aller vers la population. Si vous voulez faire un projet de développement, il faut aller vers la population. Il faut aller vers la population. Et là, faites des enquêtes. Et vous recueillez des informations. Donc voilà, en résumé, ce module est terminé. Et s'il y a des questions posées, je réponds avant d'entamer la deuxième phase, c'est-à-dire on va vous donner des enquêtes, des travaux à faire, que vous allez rendre. S'il n'y a pas... Voilà, donc je vais essayer à le bic à feuille. Je donne 4 ans. Je donne un travail à faire chaque un exposé. C'est pas par groupe, mais chacun va faire des recherches. Ok, donc, on va donner des enquêtes. Des enquêtes.
S'il n'y a pas de questions. Milliers d'études. D'études. Milliers d'études. Sénégal, deux points Sénégal. OK. Un tiré. Relief et vestation. Relief et vestation. Un second tiré, climat et sol. Climat et sol. Un autre tiré, hydrographie. OK. Un tiré, démographie. Économie. Reprenez là-là. Prestation ensuite. Économie, OK. Cinquième tiré, relations internationales. Relations, voilà le travail que chacun doit faire. Donc,
Donc, je reprends. Sujet était 10 millions. Après, monnaie, Sénégal, ok. Monnaie 1, 2, 3, 4, 4, démographie, 5 ans économie. Six. Ok, c'est bon. Travail. Enquête. À rendre. Vous avez une semaine. La semaine à traiter. N'y a pas de questions? Donc, si. Donc voilà ce qu'on a, le sommaire, et même pour être intelligent, vous pouvez, avec le sommaire là, faire des recherches pour remplir. Faire des recherches pour remplir. Donc, on a fait 9 heures de temps, je pense bien. Et 6 autres heures. Maintenant, on va voir comment on va le faire. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Et comme les peuples, on dit à la jaram.